Allez, salut tout le monde, c'est Tazurik Terracia. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 39 de notre Let's Play 100% sur Super Mario Odyssey. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Alors, au cas où, si vous me sentez un petit peu essoufflé, c'est que parce que j'ai un peu trop mangé même aujourd'hui. Je n'en peux plus. Je suis rassasié, honnêtement. Du coup, je vais avoir un peu de difficulté à parler, à m'exprimer correctement, mais ça va passer dans la soirée. Donc, souvenez-vous, dans la précédente vidéo, nous avons continué le pays de la forêt dans lequel nous avons récupéré la première lune principale, dans lequel il fallait aller au boss, mais nous avons eu les lunes nécessaires pour pouvoir aller dans le pays des nuages, affronter Bowser. Du coup, nous n'avons pas le choix d'affronter Bowser parce qu'on ne peut pas revenir sur nos pas. Vous avez vu, j'essaye, mais Bowser est juste là, voilà. Je ne peux pas. Donc du coup je vais rentrer dans l'Odyssée et je vais récupérer du coup je vais me mettre un costume adapté, mais j'ai pas le choix quand même d'avoir un truc beaucoup plus pour les nuages, ça, ouais, pourquoi pas, hein. What the fuck, mais ça rend trop bien. Vas-y, je me le mets quand même, honnêtement, mais ça rend bien. Alors problème, c'est que dans cet épisode je vais peu voir. Parce que dites-vous que l'intégralité de l'écran est blanc. Pour moi, ici, je ne vois rien du tout. Alors, je préfère être honnête avec vous, vraiment avec vous. J'ai regardé une vidéo qui, en tout cas, adoucit les couleurs et m'a permis de vérifier ce qu'il y a. En gros, de vérifier les différentes couleurs, les différents éléments pour réussir à identifier un petit peu la zone. Hein, je préfère être honnête. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait trois chapeaux blancs. Donc, du coup, je vais les actionner. D'accord. Donc, il y en a là. Ah, là, on voit mieux maintenant. On voit un peu mieux. Mais ouais, donc là, je suis désolé. Hein, c'est un défaut. Je sais que c'est un défaut, mais que voulez-vous. Donc, du coup, nous avons Bowser ici. Donc, on va voir ce qu'il nous dit. Mario, ne me dis pas que tu penses encore pouvoir m'arrêter. Un mariage, c'est toute une organisation. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est stressant? Oui, j'ai violé la princesse Peach, tu te rends compte que c'est illégal, mais bon, je dis ça, j'ai rien. Oh, les plantes qui lui ont... Miskin, la pauvre. Oh, Minou, non, non. Ne fais pas tomber mon verre. T'es coconne, toi. T'es vraiment une salope. Elle a failli faire tomber mon verre de coca. Qui est ultra proche de l'électricité. J'aurais dû l'enlever, ça c'est ma faute. Ok. Si je me souviens bien, c'est bien, maintenant il faut se souvenir. Allez, ça. Qu'est-ce que tu en dis de ça? Ok. Ouh merde, j'étais pas prêt, je pensais qu'il allait lancer les trois, quoi. Enfin lancer les... Voilà, par contre, ça. Allez go. Merde. Allez, allez, viens ici. Voilà, on va tout défoncer. Les deux, joli. Et un. Et deux. Il va lâcher les trolls, on est plus sûr. Alors. Eh ben alors. Ah bah oui, ma foi, je pouvais pas l'attraper. C'est impossible à l'attraper, honnêtement. Attendez, en fait. Bah oui, tu peux savoir. Ah bah là, en gros, ça marche. Allez, c'est bon. Deux. Oh putain, heureusement j'ai des réflexes, il m'a laissé tomber. Allez, dégage. Oh merde, j'ai oublié. Bon, au moins on l'aura eu. Ça c'est clair et net. Et alors?
feu. Oh non. Oh, on a vu que Mario n'avait pas de culotte. En fait, c'est comblé. Bon, c'est un tout, c'est sérieux. C'est une bonne petite idée. T'as compris cette fois, Mario. La princesse Peach est à moi. Il avait pas marqué ça, mais j'avais envie de le rajouter. Un peu d'impro, de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc, ok, donc du coup, ça nous fait une multiline. Enfin, j'espère, parce que on en a deux à récupérer. J'ai pas vu les deux, moi. J'en ai vu aucun. Non, non, j'étais pas prêt. Perdu Toxil. C'est pas ce que je voulais faire. Oh, mais non. Ah. Où est-ce qu'on a atterri avec tout ça? Non, d'un galérien. L'Odyssée est cassée. Non, on va avoir besoin de lune pour le remettre en état. À fouiller un peu, on devrait le trouver dans le coin. Non, non, je veux partir. Mais j'ai pas fini de payer la forêt. On dirait que le moteur est cassé. Il va falloir des lunes de puissance pour réparer ça. Putain. Oh, je vais mourir. On peut même pas changer. Mais c'est une vanne. Mais c'est une vanne. Oh putain, mais j'ai pas fini le pays de la forêt. Putain, mais quel con. Mais pourquoi il miaule comme ça, lui? Je reviens, les amis. Bon, re tout le monde. Re tout le monde. Allez, du coup, on va continuer. Là où j'étais pas prêt. J'ai pas le choix de faire d'abord ce pays. Hein, ça veut dire que je suis obligé de faire ce pays. Bon, 10 lunes suffira, donc on va récupérer les 10 lunes. Je pense qu'il y a moyen avant d'obtenir la truc principale. Mais au moins, on va récupérer les 10 lunes. Ah, d'accord. Faites face au poteau ou à l'arbre et appuyez sur B pour vous y agripper. D'accord, mais je viens juste de capter. Donc ça nous fait... Alors c'est... D'ailleurs, on n'a même pas vu... Ouh, regardez où il est. On n'a même pas vu le truc de la zone. On est obligé de se suicider là, non? Bon, ben quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Hein. Pff, honnêtement, on est obligé là, non? Non, non, non. Je pense que... Il y a un moyen de le récupérer autrement. Hein. À part de faire la méthode barbare, quoi. Mais ben non. Oh ben non, on peut pas. On peut pas. Bon, on va dire qu'on peut pas, hein, d'accord. On lira l'histoire du lieu et tout, ne vous inquiétez pas. Une fois qu'on aura récupéré les 10 lunes, pareil pour le pays de la lune. D'abord, on fera par l'ordre, comme je fais d'habitude. D'abord, le pays de la forêt, on a déjà tout fait. Le pays, on fera par ordre. Honnêtement, on fera par ordre, parce que là, sinon... Sinon, on va pas s'en sortir et je sens que ça va plus m'embrouiller qu'autre chose. Donc, honnêtement, je préfère faire par ordre. Donc, on va pas lire l'histoire d'ici. Ben, pour le moment, on le lira quand on commencera véritablement ici. Là, on va juste se fixer les 10 lunes et basta. Hein. D'ailleurs, là-bas, il y a un petit truc. Je sais pas comment l'atteindre. Oh, putain. Il failli me vautrer. Putain, mais c'est dommage, quoi. On peut même pas revenir au pays de la forêt. Mais alors, on peut pas. Mais en fait, on peut pas y aller ici. Ça glisse trop. C'est comme les feuilles dans Mario Sunshine. Oh non, c'est bon. Mais putain, oh, bordel. Vas-y. Ah ouais, mais du coup, ça me dit pas s'il y a une lune quand même. Ah, mais mon bébé descend. Mais oh, mais bordel. Oh, mais c'est pas possible en fait, ça grimpe. On peut pas rester en haut en fait, on est obligé de glisser. Non, c'est bon. Bon. On voit rien. Hein. Je crois qu'il est, c'est ici qu'il soit dans Speedrun. Dans le... Putain, c'est vraiment. Comment ils arrivent à faire des choses comme ça? Ça, ça me tue de voir ça. Je sais même pas comment ils font, honnêtement. Hein, mais... Ah, donc là, je sais qu'il y a une cage. Donc, ok. Ok, bon, il y a ça aussi. C'était pas... Ah, d'accord, c'est ça le truc principal. Le boss de la zone, je pense. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. Bah oui. Bon, bah écoutez. Ah, bah oui, merde.
merde. Ah d'accord, bon c'était possible. J'étais con. 2, 3, merde. Parfait, bah oui c'est possible. Mais oui si c'est possible avec la carte kiwi, putain. Malade. Mais alors j'ai compris, regardez, pas de flamboyant en l'air. Boum. Dans ta gueule. Voilà, laisse mon chapeau maintenant. Il est à moi. Il est à moi, Capi. Non mais... Piouf, j'ai eu chaud. Merci pour le sauvetage rapide. J'espère qu'il ne s'en arrivera plus. Bon, allez, allons chercher des lunes, histoire de nous changer, de se changer les idées. Bon, ben, c'est bien gentil, mais du coup, ça m'a tout coupé. Voilà. Alors, du coup, il ne s'en vaut rien. Donc, ça, on peut pas le récupérer pour le moment. Là, c'est un peu la mort. Oh, par contre, il y a un truc dessous, hein. Je parie. Ça pue le... D'accord, c'est une lune. On a vu la lune. Ok, ok, ok. Bon, c'est déjà ça. On va aller à droite. Ouais, bah, de toute façon, il y a... Ah, c'est le cube. Oh, d'accord, il est là, le cube. Bah, honnêtement, je m'y attendais pas, tu vois. Je m'y attendais pas. Ah, déjà, il y a... Il y a les feuilles violettes, enfin les pièces violettes si vous voulez. Ne vous inquiétez pas, on lira l'histoire du lieu quand ça s'y intéressera. Parce que je vous le dis, on récupère les 10 lunes, on se casse ici. Hein. C'est pas ici qu'on veut faire en premier. Ah, moi j'ai pas choisi mes épisodes comme ça. Enfin, j'ai pas décidé mes épisodes comme ça. Par contre, la lune, je sais honnêtement pas comment la voir celle-là. D'accord. Merde. Ah bah attendez, mais je suis con en fait, on peut par l'arme, je crois. On peut par l'arme. Regardez. Tic. Regardez. C'est fait pour, hein, je pense. Oh là là, que c'est de la merde. Oh, que c'est de la merde, cette arme. Oh, la hitbox de l'arme, elle est plus chiante que dans Mario Sunshine. Je crois que dans Mario Sunshine, ils avaient fait le maximum. Non, là c'est encore plus chiant, quoi. Putain, dans le village plantage, je m'en souviens, dans Mario Sunshine, c'est horrible. Vous gagnez une lune dans la cage de pierre. Et pas que dans Mario Sunshine, pas que dans le village plantage, hein. La gelée est au des flots, putain c'est un calvaire. T'as juste envie d'insulter leur mère les trucs, c'est. Putain, alors, je vous jure, il y a des moments où quand même pas non plus abusé, quoi. Il y a des moments où quand même pas non plus abusé. Dégage. Ah, on peut les contrôler. C'est quoi la manette pour s'étirer plus vite? Ouais, mais est-ce qu'on peut... Ça me dit pas si on peut vraiment y aller. Oh, toujours tout deviner, quoi. Sérieusement. Oh putain, tout ce qu'on a dans le monde. Wow, j'étais pas prêt. Ok, ça, oui, mais ça me dit pas si on peut aller là dedans. On peut y aller. On tente. On peut pas. Mais c'est bizarre, ça a la couleur d'un poison. Donc on se dit peut-être ça peut aller dans le poison. C'est un peu logique, non? Oh, comment voulez-vous qu'on devine, quoi? Sérieusement. Comment voulez-vous qu'on devine? Ça me tue, quoi. On peut pas apprendre à deviner, hein. C'est un peu mal indiqué, hein. Honnêtement. Ils auraient dû marquer capable d'aller dans le feu ou quoi que ce soit. Parce que là, honnêtement, quand vous voyez ça, vous avez pas envie de dire. Ah, d'accord, ça sert pour ça. Oh putain. Ah oui, c'est spécial, quoi. En fait, faut être vigilant, en fait. Faut être vraiment vigilant. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses à faire avec ça. Là-dessus. Oh, non, on peut récupérer la clé avec ça normalement, non? On pourra récupérer la clé. Attendez, on va aller récupérer la clé, hein, vous savez quoi? Je pense que c'est possible, même la lune, je pense qu'on va pouvoir la récupérer comme ça. Bon, au moins, nous avons trouvé une part du mystère, déjà, c'est bien ça. Par contre, là-bas, alors avec ça, c'est pas possible, hein. Enfin, je pense pas, honnêtement, c'est pas aussi long quand même, si. Je sais pas, on verra, mais... Alors là, par contre, je vais pas me faire avoir. Ah, c'est long quand même, bon, c'est pas... C'est le maximum en fait ce que je peux faire ici. Honnêtement, c'est le maximum. Ouais, c'est le maximum en fait. La tortueuse voie du trésor, vous gagnez une lune. D'accord. Oh putain! Instantané en fait. Parce que honnêtement, on peut le tenter, mais j'en suis pas sûr. Hein.
Non, regardez, non, on peut pas en fait. Mais en plus, il y a un truc qui permet. Oh, je sais pas. Est-ce qu'on pourra par l'arbre? Par tout en haut, si on se jette de tout en haut avec ça. Oh, c'est peut-être possible avec ça. Une part du mystère est résolue. Par contre, honnêtement, on peut y aller par en haut comme ça? Non, on peut pas en fait par en haut. Non, on peut pas en fait par en haut. Non, on peut pas. On peut pas par en haut. Le jeu, il a quand même des limites, hein, mais. En tout cas, ça me fait du bien de revenir sur ta mère. Ça fait du... Putain, ces arbres sont pires que dans Mario Sunshine. Je pensais pas être ça possible, honnêtement. C'était les pires arbres dans Mario Sunshine. Les pires de tous les jeux. Hein. J'ai joué à Assassin's Creed et tout, mais il y avait pas pire. Putain, j'ai... Pire, je savais pas qu'il y avait pire que dans Mario Sunshine. Enfin, pas dans Mario Galaxy, je dis, dans Mario Sunshine. Quoi. Mais je savais pas, putain, qu'il y avait pire que Mario Sunshine. Hein. En termes de conneries. Du coup, bah, on va pouvoir récupérer cette lune. Ah ouais, donc là, il faudra vraiment être... Faire ultra attention, en fait. Oh, putain, c'est chaud. Voilà. Non, d'accord, on peut pas. Putain. Et vous imaginez, je pense qu'il va y avoir des pièces violettes avec ça, du coup. Si je comprends bien la logique. Non? Non, même pas. Ils sont pas aussi fourbes que ça. Hop. Vous gagnez une lune en jetant un œil sous le pont. Ok. Alors, vu les lunes comme ils sont cachées, j'espère qu'il y en a pas d'autres que j'ai loupées. Honnêtement, ça me fait rager. Oh putain, ça me fait rager sinon. Parfait. Bon, le truc est bien, c'est que même quand il. Voilà, quand... si on se loupe, au moins on peut. Nous avons le choix de. Enfin, d'avoir une chance, entre guillemets. Bon, je regarde un peu les horaires, c'est bon. Mon micro ne bug pas. Ça, c'est bon. Pour une fois, ça marche. Pour une fois, ce que je marche. C'est rare, hein, mais quand ça arrive, il faut le souligner. Il faut le souligner. Oh, la suite est là. Oh, l'Overworld est là. Oh putain, il y a Carbide Chose en fait qui est là. Oui, mais ça va où? Ah, l'Overworld va peut-être nous faire atterrir ici, non? Oh putain, mais c'est la merde. Il y en a de partout. Il y en a de partout. Regardez, on va où là, techniquement parlant? C'est partout. Oh putain, il y a quoi une lune en fait, honnêtement? Bon, même si on s'intéresse pas à la zone, je préfère avoir le nombre de lunes. 25. Alors, oh putain, il y en a 25. Sérieusement? J'aurais cru plus, vous voyez. Mais bref. Ça, par contre. Ouais, on va pas se la jouer. Voilà. Ça pue le truc. Voilà. Ça, par contre, dessus, il y a un truc. Non, je pense qu'on aura le. D'après ce que j'ai vu sur le speedrun, on aura le piaf. Oh, vous gagnez l'une au-dessus des marais après les fusils. On peut pas le récupérer comme ça. Oh, peut-être par an. Non, il y a des pièces violettes derrière. Il y a des secrets partout. Donc, il y a un Overworld. Qu'on va... Putain, je sais pas si on va le faire maintenant parce que vu l'heure qu'il est, honnêtement, j'ai des doutes. On peut pas y aller. Non, on peut pas y aller. C'est bien ce que je pensais. J'ai des doutes. Alors, à part si ça nous amène là, c'est super. Hein. Ah oui, ça nous amène là. Ça. Non, on peut pas. De toute façon, il y avait ça en haut, donc j'avais pas le choix. Donc, en bas, c'est la mort, hein. Faut faire attention. Allez, voilà. Oh merde, ça traverse là, quoi. Ouhou, c'est chaud. Donc en fait, il y a les trois ici. Vous voulez gagner une lune en évitant les fusils dans le mur. Moi, bon, d'accord. Ils auraient pu choisir autre chose comme définition, quand même. Parce que là, ça manque d'originalité. 13. Bon, ça porte à quoi, c'est 13. Je vais me laisser, on va dire, 2 minutes supplémentaires vu que j'ai eu un petit souci entre guillemets avec mes chats, mais normalement, alors on va faire cette lune là qui se situe là et on va s'arrêter là. Donc du coup, ben à la prochaine. Mais le truc c'est que ça m'embête du coup pour la miniature de la vidéo quoi. Je mettrai dans le titre autre chose. Mais dans la miniature de vidéo, je mettrai le pays de, je sais pas comment je préfère. J'essayerai de m'arranger. Et... pas un truc, non, il n'y a pas de truc. Oh là 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 là, la merde que c'est. Quoi? Ouhou, on a placé une chance à la vie. What the fuck? Ok. Parfait, 4.
Allez, c'est tout là, prends tous les coups. Ouais, il est derrière, j'en étais sûr. Oh merde. Bon, au moins ça se fait. Au moins on t'envoie la lune, c'est déjà ça. Ok. Eh hey, merde. Putain, on peut se faire avoir aussi. C'est bizarre là-bas, la pièce elle m'inspire pas confiance. Enfin, bizarre, pourquoi une pièce ici? Eh, regardez, pourquoi une pièce ici? Bah voilà, pourquoi une pièce ici? Oh, il y a une lune secrète. Bah voilà. Comment je suis arrivé ici? Un drôle d'oiseau m'a attrapé, il m'a lâché là. Finalement, c'était pas si mal. J'ai pu me proposer et puis j'ai trouvé une lune. Tiens, elle est pour toi. Oh yeah, un peu de repos pour Capitaine Toad. Bon, au moins c'est fait. Voilà, du coup on va actionner ça et on va récupérer la lune. Bon, moi, nous avons trouvé une lune supplémentaire, donc il nous en manque 4, si je compte bien. Donc 3 au total avec celle-là. Donc c'est bien, comme ça au moins dans le prochain épisode, si on peut aller au pays de la forêt. Parce que là, du coup, ça m'embête pour 1, les miniatures, et 2... Et deux ma chronologie quoi. Parce que du coup on découvre avant le lieu, enfin avant l'histoire du lieu. Du coup on comprend pas qu'est-ce qui est ici, comment ça se passe. En gros on comprend rien, c'est pour ça que ça m'embête un peu quoi. Éclat de lune, la mangrove. C'est ça que ouais, ça m'embête un petit peu. Bref, on va du coup s'arrêter là les amis. Il n'y a plus rien à faire ici de toute façon. Ça m'arrange en même temps, mais il n'y a plus rien à faire ici. Putain, il y a des moments où il faut vraiment que j'arrête d'être con. Hein. Vraiment, il y a des moments où il faut vraiment que j'arrête d'être con. Hein. J'ai pas regardé comme un boulet. On va pas refaire la même. D'accord. Alors là, je vous explique. C'est un truc qui arrive souvent dans Mario 64, ça. Vous voulez faire un saut à longueur, mais vous faites une charge au sol. C'est aussi simple que cela. Putain. Merde. Ta mère. Ta mère. Voilà. Ta mère. Bon. C'est déjà ça. On ne chie pas d'arriver. Bref, du coup, les amis, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. On va remettre les lunes dans le lycée. Écoutez, on va profiter du temps. Donc ça nous en fait, du coup il nous en manque 3, donc ça fait 7 lunes au total. On nous en récupère. On dirait que le moteur est cassé, il va falloir des lunes de puissance pour réparer ça, donc il en manque 3. Donc ok, donc au moins ça nous fait quelques lunes dans notre moteur. Vous avez vu qu'il y a encore des lunes un peu de partout là-bas. Je pense que la prochaine fois, honnêtement, on pourra aller dans le pays de la forêt, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux le plus, hein, je vous le dis honnêtement, c'est ce que je veux le plus. On va quand même un petit peu jeter un coup d'œil aux lunes. Donc nous avons récupéré 7 lunes, c'est bien, c'est parfait. Et on va du coup aller voir le pays des nuages, donc il nous en manque 2 lunes. Donc évidemment, on fera le pays des nuages après avoir fait le pays de la forêt. D'abord, on va se concentrer uniquement ici parce qu'il y a encore pas mal de choses à récupérer. Vous avez vu qu'on est à 7 sur 54 pour 56 pièces violettes et sur 100. Donc il nous en manque 44, c'est quand même beaucoup, donc il nous faudra encore bien des épisodes là dedans, mais au moins on commence à progresser. Vous avez vu que voilà, ça commence à se compléter. Et du coup voilà, je vous ai remercié de m'avoir suivi et les amis pour cette 39e vidéo sur Super Mario Odyssey. Donc du coup dans la prochaine vidéo nous continuerons le pays toxique et nous continuerons si on peut, si nous y arriverons, et j'espère d'y arriver. Le pays de la forêt, comme ça au moins ça nous fait un truc, enfin on va avancer dans le pays de la forêt parce que nous avons même pas battu le boss, nous avons rien fait en fait, hein. Nous avons vraiment rien fait, il manque encore quelques, bien des choses, donc du coup voilà, au moins on aura un petit peu avancé, mais vraiment ça sera mineur dans ce pays. Merci de m'avoir suivi, d'ici là portez-vous bien, ciao tout le monde, hey peace.